vous avez passé une bonne journée, même une bonne soirée. Et du coup, bah, comme je vous avais dit, il y aura un nouveau jeu sur ma chaîne. Normalement, j'aurais dû publier aujourd'hui. Mais j'avoue que j'ai pas trop eu le temps. Et en vrai, bah, j'étais vraiment fatigué aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais pas du tout en forme de faire quoi que ce soit. Mais vous inquiétez pas, la vidéo, elle sera publiée sûrement ce matin. Du coup, au petit matin. Voilà. Dans la matinée, peut-être vers les 5h, 6h. Je sais pas le temps que ça publie sur la chaîne. Donc, pour ceux qui se lèvent tôt, bah, vous la verrez en première. Voilà. Donc ce sera du coup le premier épisode. Le premier épisode durera environ 20 minutes, à peu près. Donc voilà, le deuxième épisode est à peu près pareil. Et par contre, le troisième épisode dure 10 minutes de plus, dure 30 minutes, mais bref, c'est pas très grave. C'est juste 10 minutes de plus. Juste que, voilà, l'histoire, on est à fond dedans. J'essaie de pas dépasser trop les 30 minutes, pour que ce soit pas trop long pour vous. Comme ça, il y aura plusieurs épisodes. Et dites-moi en commentaire, c'est quand je vous verrai la vidéo, le premier gameplay, qui sera du coup le premier aperçu. Est-ce que vous voulez un épisode tous les jours, genre un épisode par jour, ou est-ce que vous voulez un épisode par semaine, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode tous les jours ou pas de ce jeu-là. Du coup, il va y avoir plusieurs épisodes, je vous dis pas combien, mais il y en a quand même pas mal. Du coup, on y va pour la petite boutique avant de perdre trop de temps, c'est parti. Du coup, on a quoi en boutique? On a rien de nouveau, apparemment. On a le retour des bestiaux, ok. Du coup, on a l'onjour du petit skin Ross, du coup, petit skin. La version lama un peu, un truc petit custom très stylé, je trouve, moi je l'aime bien, personnellement. 1500 V-Bucks avec d'autres petits customs également pour son sac à dos. Vous avez bien sûr la petite pioche, d'ailleurs j'ai pas acheté la pioche, c'est vrai, mais j'aime bien pourtant. La pioche à 1200 V-Bucks qui va avec le skin, bien entendu, très stylé en soi. On est bon, on a également le retour, le poisson de guerre, la poiscaille du coup, version guerre, avec 3 petits customs aussi. Regardez la tête qu'il a, franchement, il a l'air pas l'air content du tout. À 1200 V-Bucks. On a également ce petit revêtement qui est à 500 V-Bucks. Un petit peu animé, plutôt sympathique. Comme couleur militaire, vous connaissez les bails, les petits potes. Il y a également le retour de l'ancien fléchette. Là, on a le planeur. L'ancien fléchette. N'importe quoi, moi. J'ai dit l'ensemble fléchette. Hein. Alors que c'est pas ça, l'ensemble aviateur, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bref, je suis fatigué, désolé. Hein. Bref, vous avez compris, 500 V-Bucks, ce petit planeur, on est bon, le skin du coup, aviateur, on peut dire ça comme ça, avec 4 customs du coup pour 2000 V-Bucks. Donc ce skin, moi je l'avais acheté à l'époque, il y a plus d'un an maintenant, un an et demi pour être exact. Donc, franchement, en plus, ce petit sac à dos peut montrer le nombre de kills que vous avez fait dans la game, donc c'est plutôt stylé. Vous avez également le revêtement fellage, du coup que j'avais acheté à l'époque aussi, à mon avis, pour 300 V-Bucks. Et pour finir, le petit revêtement 300 V-Bucks également noir fustif. On est bon, on a également le retour du skin bid dit du coup. Voilà, apparemment il y a eu une mise à jour avec ce skin, hein. Je sais pas trop ce qu'il y a eu comme mise à jour, parce que moi je n'ai pas le skin. Dites-moi en commentaire pour ceux qui l'ont. Du coup, 800 V-Bucks, on a également la cloche de lama. 800 V-Bucks également. On a également la 101 pour 200 V-Bucks. On a aussi la, bien sûr la pioche qui va avec le skin, 500 V-Bucks, on connaît bien le bois 1. Et pour finir ce côté de boutique, on a également le skin bestiaux avec 4 custom plutôt marrantes le skin. Mais c'est pas trop mon genre de skin personnellement. Il coûte 1500 V-Bucks, du coup je montre en détail, vous avez la version Rhinocéros, Chacal, version Jaguar et version bien sûr Lion. Avec également pareil pour le sac à dos, vous avez 4 custom pour les 4 custom, après vous avez compris. Pas besoin de vous expliquer, je pense que vous avez compris. On a également le retour de la petite Dance Box, qui a 200 V-Bucks aussi. Et pour finir la boutique, bon, je pense que je vais pas vous présenter tous les Marvel qui sont disponibles encore depuis hier. De retour en boutique, je pense que j'ai pas besoin de vous les montrer, vous les connaissez plutôt bien. Du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et surtout à vous abonner, les petits potes. Très important, enfin, partager la boutique, ça sert à rien, mais bref, vous avez capté. Abonnez-vous, likez et surtout, n'hésitez pas à commenter quel est votre skin ou danse dans cette boutique que vous aimez bien, ou même une pioche, peut-être que vous avez une pioche préférée et que les autres trucs vous aimez pas, hein, c'est possible. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas quand même à me dire, comme ça je vous réponds chaque fois. Parlez de la vidéo parce que vous ne demandez pas, je sais pas l'âge que j'ai. Je vous le dis souvent en plus, l'âge que j'ai en commentaire, parce qu'on me demande à chaque fois. Alors que voilà, surtout c'est marqué dans les à-propos sur ma chaîne, c'est marqué dans mon âge, donc en vrai, voilà. Mais je sais que vous ne regardez pas apparemment, donc voilà. Bref, sur ce, à demain les potes, bon week-end. Rushez bien bientôt l'événement, et franchement,
L'événement arrive bientôt, dans 2 jours, 17h et 45 minutes. Enfin, dire même presque 44, parce que dans une seconde ou deux, on sera dans 44 minutes. Ça passe tellement vite. Disons, dans 3 jours, on sera lundi. Et enfin, dans 2 jours et demi, on sera lundi plutôt. Et ça passe vite, les petits potes. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous êtes hyped pour lundi, pour l'événement. Moi, oui. Du coup, moi, je vous dis bon week-end. Et ciao.